Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud. Les potos, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un glitch à ne pas louper, comment récupérer le casque Space Ranger. On va pouvoir le récupérer facilement. Donc pour pouvoir récupérer le casque Space Ranger les potos, il va falloir avoir en perso 1 un perso masculin. En perso 2, il va nous falloir un perso féminin. Le perso féminin, il va falloir qu'elle récupère la tenue paramédicale bleue, celle que j'ai sur moi. Il va falloir que le féminin la récupère et qu'elle la porte sur elle. Donc le perso féminin, il faut qu'elle porte sur elle la tenue paramédicale bleue. Une fois que le perso féminin a la tenue paramédicale bleue sur elle, on va changer de personnage et on va prendre le perso masculin. Avec le perso masculin, on va se rendre en session sur invitation. Donc là, je suis à la course contre la montre. On va prendre un véhicule du garage. Un véhicule bas de gamme. Donc les poteaux, on va mettre un parachute. Si vous n'en avez pas, vous en achetez un. On va mettre le parachute sur nous. On va se placer sur la course contre la montre. On va lancer la course, puis on va faire flèche du bas, on va aller sur Franklin. Si vous avez Michael, vous allez sur Michael. Une fois avec le personnage du mode histoire, on va faire pavé tactile, on va aller en mode réalisateur. On va accepter les deux messages. Donc les poteaux, à la fin de la vidéo, je vous ai mis où trouver une poyote d'oiseau. Et comment mettre en favori l'oiseau et le personnage online. Donc on va sur acteur favori. Avant on a mis l'oiseau et le personnage online numéro 1 dans les favoris. On reste appuyé sur la flèche du bas ou alors la flèche du haut pendant 25 minutes. Ça va dupliquer les oiseaux comme ça pendant 25 minutes ces poteaux. Au bout de 25 minutes, on va avoir un personnage qui aura le nom de l'oiseau, qui va se téléporter sur la botte de foin. Dès qu'on voit ce personnage qui se téléporte sur la botte de foin, on va continuer à faire une dizaine de va-et-vient encore, d'accord? Donc là, j'attends que le personnage se téléporte sur la botte de foin. Là, ça y est, j'ai un personnage sur la botte de foin. Je continue à faire une dizaine de va-et-vient, ok? Ou d'une dizaine de va-et-vient, on va se placer sur le personnage nommé oiseau, sur l'oiseau, et on va faire triangle pour le lever des favoris, d'accord? Donc je fais triangle, je lève le personnage nommé oiseau, pour moi c'est la buse, je fais triangle pour la lever des favoris. Une fois qu'on a levé l'oiseau des favoris, on fait rond, on va sur l'onglet acteur, puis on va sur l'onglet plage, puis on se place sur l'onglet balade. Là les poteaux, on va faire une dizaine de fois carré, d'accord? Puis on va s'arrêter sur un masque. Là, on va faire rond, d'accord? On a un masque qui est dans la caravane, on va faire rond, on va aller sur l'onglet acteur. Puis on descend sur GTA Online et là on va se placer sur GTA Online 2 sur le féminin et on va faire triangle pour le mettre dans les favoris. Une fois qu'on a fait triangle pour le mettre dans les favoris, on va faire rond, on va retourner dans acteur favori. Une fois sur acteur favori, on va passer de l'acteur 1 GTA Online 1 sur GTA Online 2, d'accord? Et normalement, là, vous devrez avoir cette tenue-là sur le perso féminin, d'accord? Si vous avez cette tenue, c'est parfait, c'est que tout s'est bien passé. Donc, à partir de là, on va faire rond, on va aller sur acteur, balade, plage, on se place sur plage et on fait carré. Et là, les poteaux, il va falloir qu'on trouve un de ces quatre masques-là. Pour pouvoir importer le casque Space Ranger,
Il va falloir mettre dans les favoris un de ces quatre masques-là, ok? Le pain d'épices, il va falloir qu'il ait le petit nœud papillon vert, ok? Une fois qu'on aura trouvé un de ces quatre masques-là, on va faire triangle pour le mettre dans les favoris. Donc je fais défiler les tenues, je cherche un de ces quatre masques-là. N'allez pas trop vite les poteaux pour pas dépasser les masques. Le plus souvent sur lequel on tombe, c'est le lutin. Donc là, j'ai le pingouin. C'est parfait les poteaux. Donc je vais faire triangle pour le mettre dans les favoris. Donc je fais triangle. Une fois qu'on a fait triangle, on fait rond, on va dans acteur favori. Une fois dans acteur favori, on va faire flèche du haut pour aller directement sur la tenue. Donc je fais flèche du haut, j'arrive sur la tenue que je viens de mettre dans les favoris, je fais croix pour sortir avec. Quand on apparaît, on va faire flèche du bas et on va aller sur Franklin ou Trevor, tout dépend du personnage, histoire que vous avez. Donc je fais flèche du bas, je vais sur Franklin. Voulez-vous quitter l'éditeur? Je confirme. Et là, j'arrive en mode histoire avec la tenue et le masque de pingouin. Une fois en mode histoire, on fait pavé tactile, mode réalisateur. Une fois dans le mode réalisateur, on va aller sur l'onglet des favoris. Une fois dans favoris, on va faire flèche du haut, on arrive directement sur la tenue qu'on a mis dans les favoris et on a le casque Space Ranger. Là, les poteaux, on va faire croix. On sort avec la tenue. Là, on fait flèche du bas. On va sur Franklin ou Michael. Une fois en mode histoire, on va faire touche start en ligne. On va rejoindre une session sur invitation. Si tout s'est bien passé, pendant une fraction de seconde, on va voir la tenue avec le casque. On va avoir un message d'erreur. On accepte le message d'erreur. Ça nous envoie en histoire. Une fois en histoire, on retourne en session sur invitation. Et là, on aura la tenue avec le casque. Voilà les poteaux, la tenue avec le casque. C'est assez facile les poteaux pour le récupérer. Si vous avez un personnage 1, un perso masculin et un 2, perso féminin, que vous avez récupéré la tenue bleue paramédicale, vous la mettez sur le perso féminin, vous prenez le perso masculin, vous rejoignez la course contre la montre, vous la lancez et vous dupliquez les oiseaux, ainsi de suite. Les poteaux, je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas de poyotte d'oiseau où récupérer une poyotte d'oiseau. Pour pouvoir récupérer une poyotte d'oiseau, il va falloir aller en mode histoire. Donc je vais vous montrer où il y a une poyotte d'oiseau. Si vous tombez sur une poule des poteaux, il faudra en trouver une autre. Donc on va prendre un camion pour pouvoir monter la passerelle et on va se rendre ici. Il y a le coiffeur à côté, le vendeur de masques qui est pas loin. Vous vous rendez ici et vous avez une passerelle. Il va falloir monter la passerelle. Donc grâce au camion, on va pouvoir monter la passerelle. Donc on monte sur le camion, on monte sur la passerelle. On va en face, il y a un pot de fleurs et dans le pot de fleurs, il y a une poyotte d'oiseau. On fait flèche de droite pour la manger. Donc je suis ici. Une fois qu'on a mangé, on se transforme en oiseau. Pour revenir sur le personnage du mode histoire, on va rester appuyé sur la flèche de droite.
Donc je reste appuyé sur la flèche de droite, je réapparais avec Franklin. Là les poteaux, il va falloir aller en mode réalisateur. On va faire pavé tactile, mode réalisateur. On va mettre l'oiseau et le personnage online numéro 1 qui est masculin en favori. Donc on apparaît dans la caravane avec le personnage du mode histoire, on va dans acteurs, animaux, on se place sur l'oiseau et on fait triangle pour le mettre dans les favoris. Une fois qu'on a mis l'oiseau dans les favoris, on va faire rond et on va descendre sur personnage online. On se place sur le personnage online numéro 1 et on fait triangle pour le mettre dans les favoris. Vu qu'on va récupérer le casque sur le personnage online numéro 1, il faut qu'il soit masculin, on met le personnage online numéro 1 dans les favoris. Une fois qu'on a mis les deux personnages, l'oiseau et le personnage online en favoris, on va retourner en mode histoire. Une fois en mode histoire, on va sortir le téléphone et on va faire une sauvegarde rapide. Voilà les potos, la vidéo elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!